Hey, salut, salut tout le monde, ça c'est l'éponge. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Lego Fortnite pour vous présenter comment battre le colosse tout seul. Donc, on a trois variants. Il y a un variant de la plaine, du désert et de la glace. Donc aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est le colosse de la plaine. Pourquoi colosse de la plaine? Parce que j'ai besoin de faire amélioration de l'établi. Donc pour ça, il faut écaille brute. Venez me soutenir sur mon code créateur Axel Éponge, tout en majuscule et tout en attaché. Donc avant de commencer à l'essentiel, bah, je vais commencer d'abord à améliorer mes outils. Donc j'ai quoi pour améliorer les outils? Il me faut table à essence. Pour ça, il me faut ambre taillée, bois souple. Normalement, je dois en avoir dans ces coffres. Ouais, c'est bon, je ne me suis pas trompé. Et après, bois souple, c'est ça. Donc le bois souple doit être par ici. C'est bon, c'est ce qu'il faut. Maintenant, je peux mettre le métier là où il y a de la place, c'est-à-dire dans ces bâtiments. Voilà, ici, je vais poser ça là. Allez, je vais voir si je peux tourner. Ouais, je vais laisser comme ça, c'est mieux. Voilà, donc pourquoi j'ai mis ça? En fait, on peut améliorer, par exemple, si on prend l'épée, les cas de l'épée, on appuie sur X dessus, on a dégâts, durabilité et essence de vie. Donc, chaque critère, bah, on a des choses à rajouter. Donc, pour le dégât, il faut beaucoup de. Enfin, il faut avoir de rubis. Bah, ça, je vais réserver à l'arbalète. On a trois sortes d'arbalètes, on va regarder ça tout de suite ensemble. Donc c'est dans les épées, est-ce que je peux le faire? Oui, donc l'arbalète recourbée, c'est le même nom, mais on a. En fait, il y a niveau 5, niveau 7 et niveau rareté, c'est 10. Donc il y a atypique et typique. Enfin, plutôt typique, atypique et rare. Donc, ce qui m'intéresse là, c'est l'arbalète rare. Donc, pour ce faire, il faut tige de bois souple et cordon. Bon, je vais voir si j'ai tige de bois souple. Oui, c'est bon. Je peux le prendre. Et maintenant, le cordon. Le cordon, je dois en avoir par ici. Ouais, c'est bon. Il n'y a plus qu'à faire l'arbalète courbée. C'est bon, j'ai l'arbalète courbée. Maintenant, il faut les flèches. Comment on fait les flèches? Il me semble qu'il faut du bois. Voilà, j'ai 80. Et après, il faut aussi des plumes. On va vérifier ça tout de suite. C'est bon, tout est bon. Avec ça, peut-être que je peux faire plusieurs, je l'espère. Là, je ne sais pas du tout combien j'ai fait, j'ai pas bien regardé. Hop, attendez, je regarde. Ah, on peut faire 8. Ah, bah c'est bon. Donc, je peux faire. Allez, je vais faire 80 pour être sûr. Parce que. Il est coriace, hein, le colosse. J'en ai fait un peu plus que prévu. Vaut mieux avoir plus que pas assez. Hein. L'arbalète, c'est fait. Les flèches, c'est fait. Maintenant, je dois améliorer l'arbalète. Pour ça, il faut que j'aille vérifier ce que je dois en avoir pour améliorer l'arbalète. Donc, ce que je veux, c'est essence de dégâts. Pour ça, il faut rubis brut et noyau explosif. Alors, rubis brut, c'est ce qu'il faut. Ah non, bon, c'est plutôt noyau explosif que je viens de prendre, c'est ça. Et après, il faut rubis brut, c'est bon. Je ne vais pas tout gaspiller, je vais mettre que puissance 2, enfin si je peux. On va voir. Hop, dégâts.
Est-ce que ça prend un par un, je l'espère. Parce que j'ai pas envie de tout gaspiller. Ouais, je peux le faire encore. Je peux, si ça se trouve, je peux faire 3. Allez. Et ensuite, ouais, je peux faire 3, c'est bon. Ça, c'est pour les dégâts. J'ai combien de dégâts maintenant? J'ai 19 dégâts. C'est génial. Ça, c'est bon, c'est super. Bon, bah, maintenant que j'ai tout amélioré, j'ai tout ce qu'il faut, bah, c'est parti pour la chasse. Ah, j'entends un qui n'est pas loin. J'espère que c'est celui de la plaine. Et si c'est ça, je peux dire que j'ai de la chance. Vous entendez ce bruit? Ah oui, c'est celui de la plaine. Touché. Je vous conseille de le battre la journée parce que la nuit c'est un peu compliqué. Ça a l'air bénéfique, hein. Ça a l'air bénéfique l'arbalète là. Allez, 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 on esquive. Allez, il est presque. Allez, je m'éloigne de lui parce que je vais me rendre compte que j'ai pas ce qu'il faut en tant que comment s'appelle bouclier. J'ai pas de bouclier. Allez! Yes! Victoire! Je n'ai pas de bouclier et j'ai réussi à l'avoir assez facilement. Donc, ce qui m'a sauvé, c'est l'amélioration de l'arbalète. Ah, je suis content. Je suis trop, trop content. Donc, du coup, ce que j'ai réussi à avoir, l'écaille de brute. Bon, moi, je l'appelle Colosse, hein. Je disais qu'il me manquait un bouclier. Bah, c'est le bouclier. Bah, ce que j'ai oublié de faire, c'est amulette de ténacité. Bah, heureusement qu'il ne m'a pas touché, hein, parce que sinon, il m'a fait beaucoup mal. Ah, pour ça, il faut 10 carapaces de sable, blocs d'obsidienne et fil de soie. Bon, je vais revenir à tout ça. Je réfléchis tout de même si j'ai tout ce qu'il faut. Un lingot de cuivre, c'est bon, j'ai 10 carapaces de sable, c'est bon, j'ai aussi bloc d'obsidienne aussi et fil de laine. Tout est bon, enfin je l'espère. Oui, tout est bon. Enfin, j'ai le bouclier qui me manquait. Donc il faut juste enlever ici et rajouter ce qui est de mieux pour se défendre. Alors qu'est-ce qui marque? Donc c'est rare, hein, c'est une amulette rare. Octroie de la défense supplémentaire pendant quelques secondes après avoir subi des dégâts près de combat. Maintenant, je vais me concentrer à l'objectif, c'est-à-dire améliorer l'établi au niveau max. Écaille de brute, c'est fait. Bloc d'obsidienne, c'est fait. Lingot de cuivre, c'est fait. Allez. Allez, allez, allez. Nouveau max. Niveau max. C'est bon, j'ai enfin le niveau max. Et pour finir, je vais mettre enfin le nouveau max de l'autotem. Et pour ça, est-ce que j'ai ce qu'il faut? Ouais, c'est bon, j'ai tout rassemblé. Je vais quand même regarder. Ouais, c'est bon, je serai niveau 10. Enfin, je suis de niveau 10. Le totem, hein, il est plutôt beau, hein. Il est beau, le totem. Un petit oiseau avec la tête de lama. C'est super. Et est-ce que je peux changer leur banc? Parce que ça a l'air un petit peu moche, tout ça, hein. Et je vais voir si je peux changer de banc. Ouais, c'est bon, je peux changer de banc. Je vais mettre le bon, lequel qui est le mieux. Bon, de toute façon, ils sont pareils.
Donc il faut des planches. Il faut du bois et des planches. Bon, les bois j'en ai. Et je pense aussi que les planches j'en ai aussi. C'est bon, j'ai des planches. Ok. Bon, je vais devoir détruire tout ce que j'ai déjà mis en place. Allez, hop. Désolé, rénovation. Vous allez adorer, croyez-moi. Allez, petit dernier. Non, il ne faut pas que ça brûle, car j'en ai besoin. Bon, je vais mettre vert d'un côté et puis gris d'un côté. Bon, je vais pas mettre trop près du feu, au cas où ça brûle. J'ai l'impression que c'est pas droit là. Ah, c'est bon, je vais laisser comme ça. Vert d'un côté et gris de l'autre. Comme ça, au moins, il n'y a pas de jaloux. Mettre à peu près comme ça, bien au milieu. Et voilà. Je suis pas trop près là. C'est bon. Bon, maintenant, vous avez un petit banc pour vous, hein. Asseyez-vous. Voilà, mes amis, cette vidéo touche à sa fin. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager cette vidéo si elle vous a plu. Et toi qui passes par là, qui n'es toujours pas abonné à cette chaîne, je t'invite à t'abonner et d'appuyer entièrement sur la petite cloche. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, mes amis. Ciao, ciao!